La serre a la particularité d'être bien ancrée dans la métropole de Lyon et dans le département du Rhône pour avoir aménagé largement notre territoire. Nous sommes à un moment où elle est confrontée, comme toutes les sociétés d'aménageurs, à de nouveaux défis, celui de la transition écologique, celui de la crise sanitaire, celui du défi économique, le défi démocratique, parce qu'il faut aussi que les habitants de nos territoires adhèrent aux grands projets qui sont portés par les aménageurs. Et donc la SERL a souhaité revoir, construire une raison d'être, et avec l'ensemble du conseil d'administration, nous avons essayé de prendre en compte toutes ces transitions qui sont devant nous pour les intégrer dans nos façons de réfléchir. Nous avons aussi la volonté de continuer à être des experts, avoir une capacité d'innovation, de conseil, de l'agilité aussi dans les défis auxquels nous sommes confrontés. Et puis enfin, la SERL, c'est la volonté, au-delà de son métier classique d'aménageur dans les concessions, de travailler sur les équipements publics et leur développement, puisque la métropole gagne des habitants, sur le monde économique et la capacité d'accompagner des villages d'entreprises. Bref, c'est finalement avoir les segments d'une vie quotidienne. Je pense qu'il y a évidemment penser les sujets dans un cadre qui peut être plus contraint financièrement pour les collectivités locales, même si les besoins s'accroissent avec l'augmentation du nombre d'habitants. Faire face à une défiance souvent importante des habitants lorsque des projets d'aménagement sont pensés, imaginés. Nous ne sommes plus à l'époque où les maires bâtisseurs étaient encensés. Il faut maintenant faire adhérer, expliquer en quoi le cadre de vie ne sera pas dégradé parce que de nouveaux habitants arrivent et comment au contraire ça peut contribuer à l'attractivité pour peu que les choses soient bien pensées. Donc ce sont des sujets importants. Il y a aussi la question, surtout les champs de la construction, des matériaux, du recyclage des matériaux, de matériaux biosourcés, ce qui nous oblige désormais à être innovants aussi dans la conception des logements, des usines, des entreprises. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans une crise sanitaire qui n'est pas achevée. Malgré tout, la croissance est là, les entreprises recrutent, certaines disent même qu'elles peuvent avoir des difficultés à recruter. Dans le même temps, les villes les plus populaires voient une précarité accrue de leurs habitants. Et donc, dans cet environnement-là, il faut que nous puissions, nous élus locaux et puis au travers des sociétés d'aménagement, à la fois, être agile et innovant sur les formes de construction, sur les attentes que l'on porte, pour qu'elles ne traînent pas, pour que les délais ne soient pas trop longs non plus, pouvoir permettre au monde économique de continuer à fonctionner. C'est un enjeu que la crise sanitaire n'arrête pas tout de nouveau. Donc une vigilance aussi sur la façon dont nous mettons en œuvre nos constructions. Et puis je crois aussi, et c'est l'un des enjeux sur lesquels nous sommes, une capacité à accompagner au plus près les politiques en termes d'ingénierie, notamment les politiques des communes. Et c'est une réflexion que nous avons aujourd'hui, parce que cela permettrait à la fois de donner une capacité de faire à la SERL et puis une capacité d'agir meilleure pour les communes. C'est une métropole qui doit être, de mon point de vue, en capacité de fournir un cadre de vie apaisé aux habitants. Il nous faut absolument démontrer que l'action publique change la vie, en tout cas l'améliore. C'est un enjeu majeur pour notre démocratie qui dépasse la métropole. Or, nous avons les atouts pour cela. Nous avons de l'activité économique et donc du travail à fournir aujourd'hui, des capacités de formation et d'enseignement sur lesquelles nous devons continuer à investir, et la métropole s'y implique aussi. Et puis enfin, une capacité, de préserver à la fois de la tranquillité, à la fois un environnement qui soit ici. Nous avons des grands parcs, de l'agriculture. Bref, il me semble que toutes les conditions sont réunies
pour que dans notre métropole, les habitants soient convaincus de l'efficience de l'action publique et soient convaincus que les meilleures perspectives sont offertes à leurs enfants.